Alors ça, ça se met là, voilà, et je suis prêt pour faire une petite partie. Coucou, 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 papounet. Coucou, mamounette, ça va? Ouais, mais dis-moi pas que tu vas encore jouer aux jeux vidéo. Si. Pourquoi? Non, mais sérieux? Oui, j'aime bien. Je sais pas, t'as pas envie de faire autre chose? On peut regarder la télé, un dessin animé. Oh oui, un dessin animé, mamounette. Alors ça tombe bien que tu parles de dessin animé, parce que justement, il existe un jeu vidéo qui est basé sur un dessin animé. C'est les Simpsons. Tu connais les Simpsons? Non, mais papounet, t'es incorrigible. Ben oui, mais écoute, attends, mais tu connais pas l'histoire des Simpsons? Le jeu vidéo en arcade, je t'explique. Imagine Monsieur Burns qui dit à Monsieur Smithers, allez me voler le plus gros diamant de la ville de Springfield. Alors Smithers, il va voler le diamant, mais en sortant de la bijouterie, il rencontre Homer, et donc il échappe son diamant. Et tu sais où il va se loger le diamant? Non. Dans la bouche à Maggie. Ah. Alors qu'est-ce qu'il fait, Smithers? Eh ben il kidnappe Maggie. Non. Pour lui extraire le diamant. Alors le but du jeu, bah, c'est d'incarner tout un tas de personnages. Alors on incarne Marge, on incarne Homer, on incarne Lisa, on incarne Bart à la recherche de Maggie. Oh, il faut la délivrer, on peut la sauver. Le jeu il est génial, t'as envie de le découvrir mon Mounette? Ah bah oui. Les petits copains de copines, restez bien après le générique. Nous allons nous lancer dans une grande aventure qui va durer à peu près une demi-heure. Nous allons découvrir toute la ville de Springfield et on va incarner tout un tas de Simpsons. C'est parti, générique. Je suis installé, j'ai ma manette en main, j'ai mon écouteur dans l'oreille. Nous allons découvrir ce Simpson en arcade. Alors vous allez voir, au début il y a le générique de la série qui a été complètement refaite en pixels. C'est magnifique, on va la regarder ensemble et ensuite on se lancera dans la partie de Simpson. Allez, c'est parti. C'est vraiment pareil. Regardez Bart sur son skate. Il a 10 ans. Alors il y a Homer qui est dans la centrale nucléaire, vous vous souvenez, c'est son métier. Lui il a 35 ans. Regardez Lisa qui joue du trombone. Du saxophone, je sais même pas ce que c'est, saxophone ça plutôt. Hein. Trombone c'est autre chose. Ouais, elle a 7 ans. Regardez Marge. Avec Maggie qui a 1 an. Marge elle a 34 ans. Et voilà, ils se retrouvent tous devant la télé. Allez, c'est parti, regardez, on peut choisir qui on va incarner. Donc Marge, Homer, Bart, Lisa, je choisis Marge. Et c'est parti, regardez, Smithers sort de la bijouterie, il a volé le diamant, il rencontre Homer, le diamant virevolte, il l'échappe et tombe dans la bouche à Maggie. Voilà, donc là, Smithers kidnappe Maggie et nous, ben, on va essayer d'aller la sauver. Hein. Allez, c'est parti, donc stage 1, Downtown Springfield. Donc on est à Springfield, regardez, il y a Marge qui dit « Maggie, Maggie, ah oui Maggie !» Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va se battre, oui, parce qu'on a tous les sbires, tous les méchants qui viennent nous embêter là, hein, qui viennent nous empêcher d'aller sauver Maggie. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, Marge? Elle prend, une bombe atomique, oui. Mais elle se bat, vous avez vu avec quoi elle se bat? Un aspirateur. Donc là, le but du jeu, les petits copines, bah, c'est d'essayer d'assommer, d'avancer et d'assommer tout le monde. Donc là, bah, regardez, je donne des coups d'aspirateur. Tiens, toi, prends ça, je saute, voilà, j'avance, j'avance. Regardez, c'est quoi, c'est un petit cochon d'Inde. Alors là, j'ai pris une sorte de pancarte que je jette, moi, une barrière. Allez, j'avance, tiens, prends ça, toi. Regardez, il y a une voiture de police. Qu'est-ce... Oh, mais oh, tu vas me lâcher, oui. Donc là, je donne toujours des coups d'aspirateur. Elle a des coups spéciaux. Là, j'ai pris carrément, je sais même pas ce que c'est. Une pancarte. Allez, donc vous avez vu, on peut utiliser tous les éléments du décor pour se battre. Donc là, je saute. Regardez, je saute. Je peux donner des coups de fesses. Ça, c'est rigolo. Tiens, toi, un coup de fesses. J'ai raté. Eh ben, prends un coup d'aspirateur. Voilà. Un coup de fesses. Oh, regardez, les pompiers. Mais attendez, mais même les pompiers m'agressent. Je vais manger la pomme. Voilà. Je fais tomber des choses de l'arbre. Allez, j'avance. Non, mais c'est incroyable. Tout le monde est mon ennemi hein, dans ce jeu. Allez, hop, j'avance sur le pont d'Avignon. Le pont de Springfield. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, déjà un boss? C'est un catcheur. Ah, il perd son pantalon. Allez, tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Donc là, premier boss, les petits cow-boys de copines. Le but du jeu, ça va être de le vaincre. Et j'en profite, lorsqu'il perd son pantalon, j'en profite pour le frapper. Allez, c'est parti, tiens, prends ça. Ah, tu prends mal, hein. Ah, tiens, 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 tiens. Il a l'air assez costaud, hein. Regardez, il devient tout rouge. Ah, je crois qu'on commence à bien l'assommer. Ça clignote de plus en plus vite. Je pense que là, il prend cher, notre catcheur. Tiens, 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 tiens.
suis mort ? Oh, je suis mort, je reviens en tant que... Marge. Allez, vous avez vu, je suis revenu comme une super héroïne avec ma cape. Oh, je l'ai vu ! Vital bonus, je gagne des points, elle est toute contente. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Niveau 2, qu'est-ce que... Oh, regardez ! C'est une montgolfière en forme de Krusty le clown et dedans, il y a Smithers et Maggie ! Oh non ! Bonus stage. Alors, oh, il faut que je gonfle ma tête. Donc, je pense qu'il faut que je gonfle ma tête hyper rapidement pour pouvoir m'envoler. Allez, c'est parti. Plus vite, 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 plus vite. Ah, j'ai mal au doigt, j'ai mal au doigt. Allez, il faut que ça explose. J'ai gagné. J'ai gagné. Regardez ma grosse tête. Puis j'ai gagné des points en plus. Je m'envole. Donc là, je pense que je vais m'envoler vers Smithers. Je sais pas du tout. Ah, stage 2. Krustyland, le monde de Krusty. Alors Krusty, c'est le clown là qu'on voit, voilà. Et là, bah, je viens de voir Smithers qui vient de se poser. Moi, je me pose aussi. Allez, c'est parti. Donc, je continue à assommer tout le monde avec mon aspirateur rouge. Mais lui, il est pas cool. Ah, tiens, prends ça. Alors, est-ce que je peux frapper, par exemple, comme ceci? Ouais, j'essaie des nouveaux coups, hein. J'essaye, on verra bien. Ah, ouais, on peut faire le coup circulaire. Et ça, je peux le prendre? Oui. Alors, on peut prendre des choses. Tiens, il y a un chien. Le chien, je peux le taper? Non, apparemment, c'est un ami. Je peux prendre le chien. Je prends le chien et je jette le chien. C'est n'importe quoi. Regardez, il y a des caissiers derrière. Oh, regardez. On peut manger des donuts, peut-être? Vous savez que... Ben, c'est Homer, il est fan de donuts. Hein. Alors, on peut prendre ça. Ok, on peut prendre tout et n'importe quoi. Je peux prendre les donuts. Je les ai mangés, apparemment. Je peux pas le frapper, lui. Bon, oh, regardez. Il y a un petit manège, là. Oh, ce sont des tasses. Wow, oh là là, j'ai troqué mon aspirateur contre un maillet. Alors là, je pense que ça va frapper dur. En tout cas, pour le moment, je ne frappe absolument rien. Quoi, les tasses se détachent? Venez, venez, je vais vous exploser la tasse. Est-ce que j'ai encore mon maillet? J'ai encore mon maillet. Mon maillet. Allez, on continue. Krusty, oh, regardez, il y a un gorille. Il a la tête d'Homer, ce gorille, c'est pas possible. Bon, je prends des choses. Est-ce que je peux casser ça? Non, je peux pas casser ça. Je saute. Je peux l'envoyer balader, par contre. Eh, mais cette arme, elle est pas géniale, hein, j'ai envie de dire. Je préférais mon aspirateur. Bon, allez, je reviens. Et cette fois-ci, hop, je me change en Homer. Peut-être qu'il sera un petit peu plus costaud. C'est parti. Alors, lui, il fout des baffes. Il fout des baffes. Il castagne. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Grosse tête, quand même. Allez, on continue. Tac, j'envoie... La petite boîte aux lettres. On continue, on continue. Oh là, le gorille qui s'échappe. Non, c'est un ours. Oh, l'ours s'est échappé. Oh là là, à tous les coups, il va falloir le combattre, les petits gorilles de copine. Je le sens, je le sens. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? On dirait des lapins crétins. Regardez derrière là-bas dans le décor. Bunny Binky. Oh là là, je le sens mal ça, les petits gorilles de copine. Je le sens mal. Bon, on va se débarrasser de tous les ennemis déjà. J'ai peur que ça s'ouvre et ça s'ouvre. Ah, mais ils sont tout blancs. Mais attendez, ils ont qu'une oreille. C'est quoi ces lapins avec une seule oreille? On dirait des lapins fantômes. Je les frappe. Ils sont électrocutés, électrifiés. Je crois que c'est bon. Oh là, lui, il a deux oreilles. Non, je peux pas le taper. Lui, je le frappe. Oh, regardez, mais ça vient de tous les côtés. Hein. Il y en a qui viennent en ballon, il y en a qui viennent à gauche, il y en a qui viennent à droite. Lui, il a un maillet. Qu'est-ce qu'il a? Je suis mort. Je reviens. Je reviens en super héros, vous avez vu? Je suis super Homer. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais on dirait qu'on arrive au bout du niveau, là. Oh, tiens, il y a un chat. Je le prends. Je le jetterai contre quelqu'un. Yeah! Vous avez vu? Quand je prends un burger, je viens fort. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme! Un ballon énorme, tiens. Prends un chat. Je peux le frapper. Ah, je peux frapper ce ballon. Ok. Bon, allez, on y va. Tiens, 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 tiens. Ok. Bah, c'est un boss. Deuxième boss, un ballon. Ok. Bon, il a l'air assez simple. Il suffit de le frapper, regardez. Pom, 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 pom. Il arrive jamais un matin. Il est nul. C'est un boss nul. Oh, j'ai jamais vu un boss aussi nul. Regardez. Tiens, prends une mandale. Bim, bim. Oh, fastoche. Allez, viens. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est super simple. Ça y est, je l'ai eu. Oh, il y avait Smithers dedans. On va passer au premier étage, je pense. Oh. Ah, je tombe. Je tombe. Et c'est hyper dangereux. Je tombe, je tombe, je tombe. Ah, je tombe de la falaise. Et qu'est-ce... J'arrive au cimetière.
Waouh, niveau halloweenesque. Ah, je tombe dans un arbre, du coup, ça amortit ma chute. Bon, bah là, je pense que je vais devoir me battre contre des monstres, je pense. Je ne sais pas, mais là, on arrive au cimetière avec une copine. Une petite grenouille. Hop, 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 allez. Eux, c'est des ennemis récurrents, hein. Ils viennent assez souvent. On les élimine. Ils sont là. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai vu un fantôme. Un fantôme tenu par une corde, quand même. Ok. Enfin, un petit peu Halloween. Allez, on avance. Vous savez que le dessin animé des Simpsons, c'est toujours assez rigolo. Ça se prend pas au sérieux, donc je pense qu'on va bien rigoler. Allez, on avance, qu'est-ce qu'il y a dans les herbes? Il n'y a rien dans les sapins. J'essaye de me cacher dans les sapins, on sait jamais, apparemment ça marche pas. Allez, hop, ça dégage. Qu'est-ce qu'il a? Un parapluie? Il pleut même pas. Pourquoi il a un parapluie? Eux, ils ont des chapeaux, ok. Ils nous balancent quoi? Il y a des crapauds derrière. Bon allez, tac tac tac, là-haut, hop, un crâne. Tiens, prends ça. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Un zombie? Des zombies? Ah, là-haut, il y a une bombe nucléaire. Je vais aller la chercher. S'ils veulent bien me laisser. Vous avez vu, j'ai pris une nouvelle arme. Hein. Ça, c'est pas mal. Je préfère ça, finalement. Hein, un lance-pierre, une fronde. Regardez. Peut-être que je tire dans le bon sens, voilà. Ah, regardez, on voit leur derrière. Par contre, vous voyez, quand j'ai le lance-pierre, je peux pas attraper la bombe. Si. Ah, si, ah, si, ça y est, j'y suis arrivé. Bombe nucléaire! Radical. Allez, je prends le crâne. Tiens, prends ça, toi. Ils sont nombreux, hein. Et vous avez vu la lune derrière? Elle est immense. Il y a du vent, regardez les nuages là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rigolo. Pourquoi j'ai envie de me gratter? Je me gratte le nez en même temps. Je vais pas y arriver. Hein. Si je fais ça. L'action est frénétique. Je peux pas lâcher la manette. Qu'est-ce que c'est? Une tombe? Qu'est-ce que c'est? Un éclair? Quoi? Ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Des fantômes! Des fantômes avec des chaînes! Je suis rentré dans la tombe. Je suis rentré. Vous avez vu ce qu'il y a dans la tombe? Un ascenseur? Je descends dans les profondeurs de la terre? Bien sûr, il y a toujours les mêmes là. Oh, je peux faire des roulades. Je suis mort. Bon, bah, je reviens. Oui, je reviens. Je vais changer. Je vais venir en Bart, tiens. Regardez, je suis Bart! Et là, mon arme, bah, c'est le skateboard. Parce que oui, Bart, il adore faire du skateboard. Ça, vous le savez si vous regardez le dessin animé, les petits poètes copines. Et là, je ramasse quand même. Mais on peut faire des flips, des tricks, regardez. Sympa, hein? Tac, prends ça dans la tête, et toi, tac, dans la tête, et toi, tac, dans la tête, et toi, tac, raté. Allez, on y va, on lui fout des coups de... Hé, lâche-moi. Oh, il fout des coups de skate, hein. Il est à l'aise avec son skate, hein, Bart. Regardez. Lui, il arrête pas de m'énerver. Je suis mort. Je reviens. Viens là. Tiens, assommé. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On est arrivé au sous-sol, j'ai envie de dire, dans les bas-fonds du cimetière. Je peux prendre des burgers, ça me rend un petit peu plus fort. Je casse tout, qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on serait pas chez Mo? On est chez Mo. Alors Mo, c'est un barman. C'est celui qui tient le bar. Et donc, je pense qu'on va aller le voir. Je pense. Mais là, il faut que je me débarrasse de ces deux-là. C'est comme un petit peu un boss, quand même. Hein, ouais, c'est même carrément un boss. Ils sont pas cool, là, avec leurs cordes. Ils sont vraiment pas cool. Regardez, ils montent l'un sur l'autre. C'est n'importe quoi. Je vais essayer de les tabasser. Bon, c'est un jeu de tabassage, les petits copains, les petites copines. Ça tabasse dur. Viens là. J'y arrive pas. Il est hyper dur, ce boss. Tiens. Ouais, voilà, t'as une fois sur deux. Oh, c'est mandale que je me suis pris. Allez, tac, aïe. Oh, vous allez pas faire la loi non plus. Tiens, prends ça. J'ai eu, j'ai eu. J'en ai eu un sur deux. J'ai eu, mais je suis mort en même temps. Je reviens. Tiens, ah bah, un coup il était mort. Allez, on va chez Mo. Qu'est-ce qui se passe chez Mo? On va bien voir. Ah, on passe au niveau, la taverne de Mo. Voilà, donc là on est dans la taverne. Donc on y va, c'est parti. Donc là on rencontre toujours les mêmes ennemis, hein, qui nous en veulent jusqu'à la mort. Mais c'est pas grave. On espère arriver au bout du jeu, les petits copains et copines. Hein. Ce que je vous ai pas dit, c'est que mon ambition c'est d'arriver au bout du jeu et de sauver Maggie, bien sûr. Donc là c'est parti. Hop, coup de skate, regardez. On voit quelqu'un dans les toilettes femmes. Il n'y a personne dans les toilettes hommes pour le moment. On dirait que la personne qui est dans les toilettes femmes... Je suis mort. Hein. Elle est coincée. Ah! Ah non! Elle n'est pas du tout coincée! Elle va nous agresser, je pense. Non, elle s'en va. Bon, ok. C'est pas grave. Regardez, il y a Mo. Là-bas, il est en train de téléphoner. Il est toujours au téléphone parce qu'en en fait, Bart, il lui fait des blagues. Il l'appelle, il lui fait des blagues téléphoniques. Ah, Mo a raccroché. J'espère qu'il va pas se transformer en monstre pour nous attaquer. On nous envoie des
chapeau sur la tête. Il y en a un qui arrive, qui nous envoie des coups de... Ah bah ça y est, on lui a pris son arme, des coups de balai, regardez. Je donne des coups de balai. Oh, c'est génial. Mo a disparu. Ça, ça me fait flipper, parce que j'ai peur qu'il revienne. Pas très cool. Tiens, tiens. Bon, écoutez, on va mousser, hop, là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, il y a un spectacle. Ta-ta-ta-ta. Moi, en attendant, j'ai pris le lance-pierre. Il y a un spectacle de danse. C'est du jazz, hein, regardez. Oh là là là, là il y a des cibles, c'est les jeux d'arcade. Oh, ils étaient cachés dans les jeux d'arcade. Oh, les gredins. Oh, regardez là-bas, je vois une borne, je suis mort. Bon, je reviens. Cette fois, je choisis Maggie. Oh, elle a une corde à sauter. Oh, regardez, dans les jeux d'arcade, on voit les Simpsons qui se font des bisous. J'ai tout pété là. J'ai tout pété. Ça, c'est vraiment radical. Hein. Oh, c'est rigolo parce qu'on a la borne des Simpsons alors qu'on est en train de jouer aux Simpsons. Ça s'appelle une mise en abîme, ça, les petits copines. Hein. Un petit peu de vocabulaire, ça fait pas de mal. Alors là, je sais pas où on est, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui dort là-bas derrière. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache, c'est un loupard. On dirait Mo, mais version loupard. Et bah ben, ça, je pense que c'est un boss. On va lui mettre des coups de corde à sauter. Tiens. Corde à sauter. Hé hé, je me suis pris un coup. Tiens. Corde à sauter. Hé hé. Corde à sauter. Corde à sauter. Hé hé. Corde à sauter. Hé hé. Tiens. Il ramasse. Il ramasse. Regardez. On l'a eu? On l'a eu. Oh, on l'a eu. Oh, un passage secret. Elle est contente, Lisa. Je sais pas où ça mène. Oh, c'est un ascenseur. On remonte. On était descendu, on était à la taverne. Maintenant, on remonte, bien sûr. Et là, on va dans Springfield Butte. On va monter une montagne. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle une montagne. Sinon, ça serait une descendagne si on la descendait. Bref, vous avez vu? Il y avait encore notre méchant Smithers, là, qui a toujours kidnappé Maggie. Mais là, il l'a lâchée dans l'eau. Donc là, il va falloir aller la sauver parce qu'elle va se noyer, notre petite Maggie. Allez, c'est parti, on avance. Regardez, ils veulent me jeter des cailloux. Oh, il y a un gorille. Oh, mais ce gorille aussi ressemble un petit peu à Homer, moi, je trouve. Hein. Oh là là, tiens, tiens, prends des coups, tiens, prends des coups, prends des coups. Oh, on peut taper là, comme au début. Oh là là, mais c'est qu'ils sont nombreux. Ah, des abeilles, des abeilles, des abeilles. Ils sont très, très nombreux. Qu'est-ce que c'est? C'est un tronc d'arbre, un essaim d'abeilles. J'ai jeté l'essaim d'abeilles. Allez, allez, prenez ça, j'avance. Alors, il y a des grottes. Là, on est parti un petit peu de Springfield, on est dans la nature, j'ai des qui me grattent. Ah, j'ai des qui me grattent, c'est horrible. Je vais essayer de prendre ça, là. Non, je peux pas, c'est trop gros. Bah ouais, elle est petite, hein, je les confonds toujours, Lisa et Maggie. Mais j'arrive pas à l'attraper. Non, j'arrive pas à l'attraper, ce rocher. Je me prends des coups. Je me prends des coups, je suis morte. Bon, je reviens, c'est pas grave. Allez, on continue. Là, je galère, hein, petit coup de copine, je vous le dis, ils sont très très forts. Hein. Ouais, j'avance, je les tape. Allez, c'est bon. On a fait place nette, on continue. Oh, regardez une cascade. Qu'est-ce qu'il m'a donné, lui? Ah bah, il m'a donné lance-pierre. Ça, ça va m'être utile. Donc là, je suis sur une sorte de pont naturel et j'envoie des pierres à mes ennemis. Il y a des oiseaux à trois yeux, des nanoeilles, des poissons à trois yeux. Oui, parce que là, en fait, cette cascade, c'est un grand fleuve, une rivière. C'est là que se déversent les déchets toxiques de l'usine de Monsieur Burns, l'usine qui est nucléaire. Pas très bien. Regardez, là je l'aime bien, mais je sais plus comment il s'appelle, l'homme de Cro-Magnon. Bah ben là je peux lancer des pierres. Regardez l'ours là-bas. On va prendre le tronc d'arbre. Je sais pas où je l'emmène, mais je l'emmène. Je crains. Ouais, voilà. Je me disais que là derrière il allait y avoir quelque chose. L'ours, l'ours de tout à l'heure, vous savez, il s'était évadé. Bon, on va le frapper. Allez, prends ça, l'ours. En plus, il y a des chutes de pierres, c'est pas cool. Donc là, il faut que j'évite. Voilà, ben, j'ai pas évité. Il faut que j'évite les pierres. Et en plus, il faut que j'élimine l'ours. Pas cool. Tiens, attention aux pierres. Bon, il y a une petite... hop, il y a une petite, j'ai envie de dire, technique à faire. Hein, une technique à adopter. Il faut d'abord éviter les pierres et ensuite taper l'ours. Voilà, un petit peu de stratégie. Mais regardez, ça se fait assez bien. L'ours est naze. Oh, c'était quelqu'un dedans. Oh. Bon, on s'en fout, on est content. Est-ce qu'on va voir Maggie? Oui, regardez, Maggie qui arrive. Elle a sa petite bouée. On va vite la chercher. Oh non! Smithers nous la kidnappe encore dans son hélicoptère. Ah! Des rapides, des cascades. Je tombe. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je tombe. Je vais m'assommer. Effectivement, je suis assommé. Ah, on dirait que je pars dans des rêves. Je m'évade dans des rêves, je suis assommé.
Bah oui, stage 6, Dreamland. Il y a 8 niveaux, les petits copains et petites copines. Oh, regardez! Oh là, je suis dans mes rêves! Je suis dans mes rêves! Oh, il va y avoir n'importe quoi. Hein. Une lune en forme de Krusty, des donuts qui m'agressent. C'est du grand n'importe quoi. Je suis en train de rêver. Regardez, regardez. C'est du grand n'importe quoi. Je suis sur des nuages. C'est un petit peu en noir et blanc. Parce que je sais pas vous, les petits copains et copines. Mais souvent, quand on rêve, c'est en noir et blanc. On se rappelle pas des couleurs. C'est souvent le cas. Hein. Enfin, c'est mon cas en tout cas. Ben, je vois que Lisa, c'est pareil. Donc là. Oh, regardez, des cheveux de Maggie, des cheveux de Marge, dis n'importe quoi. Et là, on est à l'école. On se fait attaquer par des instruments de musique. Ok. C'est plutôt un cauchemar, hein. C'est pas du tout un rêve, c'est un cauchemar. Allez, on va les avoir. Est-ce que ce sont des boss? C'est peut-être des boss, hein. C'est un rêve court, hein. Si c'est ça, c'est un rêve très très court. Mais tant mieux, les cauchemars, on aime qu'ils soient courts. Aïe, mais ils envoient des notes de musique dans la tête. Donc ça, c'est l'école de Springfield. Maintenant, il continue le cauchemar. Oh là là, le professeur Maggie. Oh, regardez. Oh, ils ont pas de tête. On les décapite. Ah, et là, on a l'usine. Oh là là, l'usine de Monsieur Burns. Ah, je suis morte. Je reviens. Et je reviens en marge. Mais j'ai la même faculté. C'est-à-dire, je décapite les ennemis, là, hein, les ouvriers qui travaillent, hop, dans la centrale nucléaire. Allez, viens là, toi. Viens là, toi. Je passe la centrale nucléaire, regardez, il y a des maisons dans les nuages, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des petits diables, des Bart diables. Aïe 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 aïe. Tiens, tiens Bart. Je me suis fait électrocuter. Oh là là, oh là là. Et quand je suis électrocuté, j'ai une forme de lapin. Je sais pas pourquoi. J'ai un squelette de lapin. En fait, vous le saurez, les petites copines. Hein. Marge, en fait, c'est un lapin. Bon, je les ai eus. On continue. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une boule de bowling vivante. Ok, pourquoi pas. Allez, on y va. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ah, elle vient de m'assommer. Et je suis morte. Je reviens en super-héroïne. Je vais me la faire, cette boule de bowling. Allez, coup de fesse, coup de fesse, coup de fesse. Elle a des bras. Normal. Normal, une boule de bowling vivante avec des bras. C'est tout à fait normal. On est dans un rêve. Allez, on y va. On la somme, on la somme, on la somme. Bim, 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 bim. Et elle a maintenant des pieds, bien sûr. Et elle nous envoie des quilles en forme de fusée. Normal. Tiens, tiens, tiens. Et bien sûr, elle a une bouche qui fait gna 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 gna. Et maintenant, elle a un bras télescopique, une queue, je sais pas ce que c'est. Normal. On n'arrive pas à la voir. Hein. Essayez là. Ah, ah. Ah, ouais! On l'a eu, vous avez vu? Vous avez vu, j'arrive plus à parler. La tête à Marge. Je crois qu'on l'a eu, là. C'était le boss, ça. On va peut-être se réveiller maintenant. Parce que rappelez-vous, hein, rappelez-vous. On est sur les bords d'une rive, complètement endormi, complètement assommé. Et tout à coup, on est parti dans les rêves. Là, j'espère qu'on va se réveiller. Oui, regardez. Alors, on est Marge, puisque j'ai changé de personnage entre temps. Et là, on va se réveiller. Sur la berge. Réveille-toi, Marge, réveille-toi. Oui, bonus stage. Ah, il va falloir se réveiller en se donnant des baffes. C'est tout à fait dans l'esprit des Simpsons. Donc là, il va falloir que j'appuie très rapidement. Allez, allez, réveille-toi, Marge. Réveille-toi, réveille-toi, regardez. Elle ouvre les yeux, réveille-toi, réveille-toi. On a été plus vite que les concurrents qui sont dirigés par l'ordinateur. Donc là, on va se réveiller et on va aller au niveau 7, je suppose. Hein. Ouais, regardez, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on est vers les studios d'enregistrement. On arrive vers les plateaux TV. Oui, Channel 6, 6 en anglais. Donc là, on arrive sur les plateaux télé. Donc on va avoir un tas de choses. Un présentateur. Ok, on a toujours les ennemis, vous avez vu. Il y a des décors, on voit des caméras. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut voir des projecteurs. Et bien sûr, le présentateur télé, il explique comme quoi ben, Maggie a été est portée disparue. Et surtout, Burns a volé, a fait voler par Smithers. Le diamant. Bon, nous, on avance. Hein. Allez, on avance. Là-haut, je vois une bombe atomique. Ça peut être sympa d'aller la récupérer, quand même. Mais ça va être un peu difficile, parce qu'ils viennent de tous les côtés. Hein. On va faire ce qu'on peut. Hein. Je me fais latter. Ça y est, bah, voilà. Je suis dégommé. Je reviens, et cette fois-ci, je prends Homer. Et je vais aller chercher ma bombe, si j'y arrive. Allez, hop, et je l'envoie. Et là, smart bombe. Tout le monde disparaît. Tout presque. On arrive dans un décor, regardez. C'est quoi ce décor? On dirait Mars. C'est un décor lunaire, les petits copains de copines. Oh oui, regardez! Ah bah oui! Oh, il y a un robot! Il y a un robot! Il est trop bizarre. C'est pas RD2-2, ça. Waouh, il m'envoie des lasers! Et il est très très fort, ce robot. J'essaye de le latter. J'ai explosé. Je l'ai explosé. Ah, il y a un martien vert! Tiens, prends ça, toi. Viens, viens.
Donc voilà. Hop, on continue dans les plateaux télé. Pas cool. Je mange un burger, je suis plus fort, je vais prendre le balai. Prends un coup de balai. Allez, du balai. Du balai. Allez, j'y arrive pas bien. Je suis pas très très fort. Ah ben, je suis mort. Je veux revenir en Homer. Bim. Allez, on continue. On va sortir des plateaux. Là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent de l'ascenseur. Ils descendent. Oh là 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 là, je vais me les latter. Tiens, 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 prends un coup de pied, prends un coup de pied. Tiens, tiens, tiens. Allez, on avance. C'est là. Oui, les arbres, ils me donnent des fruits. Manger 5 fruits et légumes par jour avec votre copine. Qu'est-ce que c'est que ça, des super-héros? Ah oui, ah oui, oui. Regardez derrière, il y a le mont Fuji. Je pense que là, on est agressé par des Spectreman, XOR, Power Rangers, vous savez, hein, toutes ces séries télé qui mettent en scène des héros en combinaison. Allez, on y va. Je prends le lance-flamme, j'allais dire, c'est un lance-pierre. J'en perds mes mots. L'action est très soutenue, les petits poètes copines. En tout cas, on avance bien, parce que là, on est déjà au niveau 6, hein, Channel 6, je sais plus, 7, je ne sais plus. Et on avance. Alors là, on rentre dans une maison asiatique, j'ai l'impression. Regardez, il y a un plancher. Derrière, il y a des portes en papier. Avançons. Oh, ils sont lestes, hein, vous avez vu? Des acrobates. Ben, moi, les acrobates, je leur fous des coups de pied dans la tête. Wouah, des ninjas! Qu'est-ce que c'est, ça, là-haut? Regardez ce qui descend. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas assez des ninjas? Wouah! Wouah! Alors ça, ça a des allures de boss, hein, petit Covid copine. Ah, je me suis fait latter. Je reviens. Je reviens, et cette fois-ci, garde au mer. Allez, hop. Il est pas mauvais avec ses petits coups de pied, là. Ah ouais, alors le boss ne suffit pas, il nous envoie ses ninjas. Tiens, ninja. Et viens là, le boss. Viens là. Viens. Vous avez vu, il se sert jamais de sa lance. Ah si, un peu quand même. Si. Il commence à clignoter. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Yep. Alors, il faut le frapper au bon moment. Hein. Si on le frappe. Frappe, ça veut rien dire. Je suis mort. Si on le frappe au mauvais moment, il se passe rien. Oula, il est tout rouge là. Oui, pas content. Là, je pense qu'on est sur la fin du boss là. Tiens. Aïe. Tiens. On l'a eu, non? On l'a eu, les petits copains, petites copines. Ça y est, il pleure. Yeah, il est content, hein, merde. Là, il fait la danse. La danse de la victoire, petit copain de copine. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Nouveau décor. Regardez Splinters! Il est en train de kidnapper à nouveau Maggie. Et. Ah! Je me suis accroché. T'as vu? Je me suis accroché à l'hélicoptère. Je sais pas ce qui va se passer, ça fait flipper. On arrive à la centrale nucléaire! Serait-ce le dernier niveau? Allons-nous affronter Burns, le commanditaire de ce kidnapping? Stage 8, Springfield Nuclear Power. Oui, ben c'est ça. Regardez, on arrive à la centrale. Allez, c'est parti, on est au niveau 8, les petits copains et copines, le dernier niveau de ce jeu. J'espère qu'on va arriver au bout. On va pas perdre avant, parce que là, quand même, regardez, on arrive dans le bureau. Qui allons-nous battre? Smithers, welcome to my world. Bienvenue dans mon monde. Ah, il envoie des bombes. Alors là, les petits copains et copines, premier boss, Smithers. Donc Smithers, c'est celui qui a volé le diamant et qui a kidnappé ensuite notre chère Maggie. Donc ça, c'est un demi-boss, je pense, parce que le vrai boss, il est, regardez, il est derrière. Il est dans le tableau. Voilà, on a son portrait. C'est lui, Monsieur Burns, le vrai méchant de l'histoire. Bon, là, il nous envoie des bombes. C'est pas cool du tout. Des grenades. Et hop, on va lui en envoyer une. Donc là, les petits copains de copine, la stratégie, c'est de récupérer les bombes qui n'explosent pas pour lui les envoyer sur la tête. Et alors, les bombes qui n'explosent pas, on les reconnaît, elles sont bleues. Allez. Pas cool du tout. Tiens. Il a une cape, il s'est pris pour qui? Un super-héros? Tiens. Aïe. Il est très très dur à vaincre. Hein. Vous avez vu sur sa cape? Il y a le sigle nucléaire. Ah, et ben voilà, je suis mort. Bon, je reviens. Je change, je deviens Bart. On va lui foutre des petits coups de skate. Je me dis qu'avec le skate, on sera un peu plus leste. On va pouvoir mieux éviter les bombes. Eh ben non. Je ramasse. C'est très très dur. Ah, c'est très très dur. Vous avez vu, des fois, il y a des petites bulles de BD. C'est assez sympa. On est vraiment dans l'esprit des Simpsons. Les programmeurs, hein, les auteurs du jeu ont vraiment respecté l'esprit du dessin animé. Regardez, il est pas content. On va le faire péter. Oh, il est pété. Ah, let's go for it, man. On l'a eu. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Regardez Burns. Ne m'attendez.
Mais il est invincible, c'est pas possible. Alors, vous avez vu, il avait Maggie dans les mains, il l'a envoyé balader. Ça, ça me plaît pas du tout déjà, parce qu'il a pu lui faire mal. Mais en plus, regardez, il est dans une sorte de combinaison qui, quand on la pète, se transforme. Et maintenant, bah, il est comme une sorte de char. C'est pas trop. Une combinaison en roulette. On va la voir. Une petite copine, on va la voir. Peu importe le nombre de vies que l'on va passer, on va la voir. Parce que j'ai un skate qui tue les burns. Allez, viens là. Hop là, pété. C'est bon? C'est bon? Ah non, c'est pas bon. Regardez. Maintenant, il est sur une sorte de coussin gonflable. Donc, il avait des pieds. Ensuite, il a eu des chenilles. Et maintenant, une sorte de coussin gonflable. Qu'est-ce qu'il va avoir ensuite? Allez, on l'a vu là. Il va exploser. Ah non, c'est moi qui suis mort. Bon, je reviens cette fois-ci en Maggie. Allez, Lisa, pas Maggie. Lisa. Oh, je suis fatigué, tu dois te lever, je viens pas encore. Oh, regardez! On lui pète son robot à lui, hein. On lui pète sa combinaison. Un exosquelette, on peut appeler ça un exosquelette. Regardez, on voit tout l'intérieur, on peut voir tous les mécanismes. Allez, tiens, prends des coups. Hop, 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 hop. Là, je tape un peu dans le vide. Hein. Je vous avoue que je tape un peu dans le vide. Il nous envoie des bombes nucléaires, et vraiment pas cool. Tiens, 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 je te fouette. Tiens, je te fouette comme la crème. Comme la crème fraîche, je te fouette, je suis morte. Je reviens, je te fouette comme la crème. Voilà, on va faire une bonne chantilly de Burns. Viens là, Burns, tu vas ramasser. C'est quand qu'il meurt, Burns, hein? C'est quand qu'on élimine. Ah, non. Il nous envoie des mini-bombes nucléaires quand même, il est pas cool. Viens là, Burns. Viens là, Burns, 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 Burns. On ramasse. C'est très très long, c'est très très difficile les petits coups de copie. En tout cas, j'arrive à atteindre ma cible assez souvent. On dirait pas comme ça, mais les cordes à sauter, c'est assez efficace. On m'aurait dit un jour, tu vas te battre contre un robot avec une corde à sauter. J'aurais dit non, tiens, prends ça, Burns. Oh, un coup a suffi. Regardez, il y a Maggie qui revient. Mais attendez, je parlais, mais en fait, on est arrivé au bout du jeu. On a sauvé Maggie. Que va faire Maggie? Que fait Maggie? Que fait Maggie? Oh, regardez comme elle est mignonne. Elle a vu que Burns dormait, du coup, elle lui donne sa tutu. Mais elle conserve le diamant. Elle est trop mignonne, cette Maggie. Oh, regardez, ça y est, toute la famille est là. On a sauvé Maggie, même le chien, le chat, tout le monde est là. Hein. Et regardez, la famille est à nouveau réunie. Oh, Maggie, elle tête le diamant. Voilà, c'est fini, petit copain et copine. Regardez, on a toute la famille qui retourne à la maison, main dans la main, se tenant par l'épaule. Et on a donc tous les développeurs du jeu qui défilent. Voilà, on a celui qui a fait les graphismes, celui qui a fait le design des personnages. Oh, c'était génial, les petits copains et copines. Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré me replonger dans ce jeu. Ça m'a rappelé la série animée et en même temps on y prend part. Donc en fait on a l'impression d'être ce personnage, d'être ces personnages, car on incarne un coup Marge, un coup Homer, un coup Maggie, non pas Maggie, Lisa et un coup Bart. Et on a donc l'impression d'être tour à tour chacun de ces personnages. Oh, c'est génial, ça c'est génial. Alors moi j'aime bien parce que franchement l'esprit du dessin animé est totalement respecté. Vous avez vu, c'est très rigolo. Bon, moi j'ai adoré. Regardez, regardez, regardez. Vous avez vu ce qu'il a fait Homer? Il a jeté le diamant parce que oui, qu'est-ce qui est plus important dans la vie? C'est pas les diamants, c'est pas l'argent, c'est la famille. Bon les petits copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré. On va arrêter là. On va attendre la fin de la musique. Voilà. C'est fini. Donc les petits couettes copines, moi je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez. J'espère que cette vidéo rétro gaming vous a plu. On en refera d'autres, on découvrira d'autres jeux de mon enfance. Si ça vous a plu, ben, laissez-moi des pouces bleus, comme ça je saurai que ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et soyez sages. À très bientôt.